Dylan Turry, la procureure de la République de Paris saisie pour soupçon de « trafic d'enfants ». Alors que des audios dans lesquels ils se vantent de pouvoir faire venir illégalement un enfant malgache en Europe ont été dévoilés. La procureure de la République de Paris a été saisie au sujet de Dylan Turry pour soupçon de trafic d'enfants. Booba a une nouvelle proie et il ne compte pas la lâcher. Il faut dire que les accusations qui pèsent contre Dylan Turry, ancien candidat de Koh-Lanta devenu influenceur, sont graves. Tout a commencé lorsque le rappeur a dévoilé une note vocale dans laquelle le candidat de télé imaginait un... Dylan Turry accusé de trafic d'enfants. Dans cet ultime audio, Dylan Turry se fait plus précis sur les méthodes qu'il compte employer pour aider Jazz et Laurent à adopter. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses déclarations sont sidérantes. Si je veux sauver une fille à Madagascar, je vais prendre le passeport d'un pote à moi qui a une fille noire, lui va faire une déclaration de perte. Et avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle, et je repars avec elle en Europe, y déclare l'ancien candidat de la Villa des Cœurs Brisés. Face à la gravité des faits, Arthur Delaporte, député du Calvados et Stéphane Vogetta, député des Français de L'Accent Aigu Tranger, ont donc saisi le procureur de la République de Paris en vue d'une situation s'apparentant à du trafic d'enfants. Cet individu doit être arrêté dans les plus brefs délais. Les enfants c'est sacré c'est la limite à ne jamais franchir, a de son côté réagi Booba. Reste à voir quelle suite donnera la justice à cette affaire.